C'était les derniers jours de l'ère Sengoku. Le Japon était consumé par des conflits sans fin. La guerre faisait rage partout, s'entendant même des montagnes jusqu'à la terre d'Ashina. Sanglant pour s'emparer du pays. Qu'y a-t-il, chien errant ? Tu n'as plus rien à perdre ? Regardez-moi ça. Fascinant. Te joindras-tu à moi, loup affamé ? Ce jour-là, un jeune loup fut trouvé sur le champ de bataille. Il s'entraîna sans relâche et en effet, il devint un maître shinobi. Écoute, loup, tu ne dois jamais oublier le code des shinobi. Je suis ton père et ma parole est absolue. Celle de ton maître passe juste après. À partir d'aujourd'hui, il est ton maître. Protège-le de ta vie. S'il est capturé, libère-le. Quel qu'en soit le prix. Tu me comprends, Lou, n'est-ce pas ? Vingt ans après le coup d'état d'Ishin, le clan Ashina était sur le point de s'effondrer. Et le shinobi connu sous le nom de Lou avait tout perdu. Le père qu'il avait adopté, mais aussi le garçon qu'il avait juré de protéger. Shinobi, ouvre les yeux pour le bien de ton maître. Thank you.
Ce shinobi au fond du puits. On ne l'a pas attaché, rien. Ça ne gêne personne? Pas du tout. Non seulement il n'est pas armé, mais il a perdu toute volonté de vivre. Ce n'est qu'un couard qui ne mérite pas qu'on s'en occupe. La lune brille fort sur la tour de la lune ce soir. L'héritier divin se sert sans doute encore une fois de sa lumière pour lire. Probablement. Mais emprisonner un gamin... J'ai pitié de ce garçon. Moi aussi. Mais je suis sûr que le seigneur Genichiro a de bonnes raisons. La porte de la tour de la lune. Tu as vérifié qu'elle est fermée, hein? Elle est bien fermée, mais... personne ne s'est occupé de ce trou dans le mur. Ah, t'en fais pas. Le trou est en face de la falaise. Personne ne pourra l'utiliser pour entrer. Je suis content que tu sois là. Cela fait trop longtemps, Lou. Je suis venu vous libérer, Monseigneur. Dans ce cas... relève la tête. Kusabimaru, ton épée. Mon shinobi. Conformément à ton serment de loyauté envers ton maître, tu risqueras ta vie à mon service. À vos ordres. Loyal, je vois que tu es blessé. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider. C'est une gourde d'eau médicinale. Utilise-la pour soigner tes blessures. Monseigneur. À présent... as-tu été gravement blessé? Après? Après... après quoi? Est-ce que tu te souviens de cette nuit? Non. Bon. Nous en parlerons plus tard.
Pour l'instant, nous devons nous enfuir du château Ashina. À vos ordres. Il y a un passage secret sous le pont-levis. Il nous conduira en dehors du château. Le seigneur Ishin m'en a parlé une fois. Je te demande de trouver ce passage secret. Quand tu l'auras trouvé, fais-le-moi savoir en sifflant dans un roseau. Tu sais, comme tu faisais autrefois, je te rejoindrai dès que je l'entendrai. Il y a un passage secret sous le pont-levis qui peut nous conduire hors du château. Trouve le passage secret sous le pont-levis pour que nous puissions nous enfuir du château Ashina. Quand tu l'auras trouvé, donne le signal. Je viendrai dès que j'entendrai le son du roseau.
Tu l'as trouvé. Maintenant, quittons cet endroit. À vos ordres. Dire que c'est le seul moyen. Fuir le destin de ma lignée est la seule réponse. Où irons-nous une fois que nous aurons quitté le château? Je suppose que nous devrons d'abord franchir la frontière à Shina. Ou peut-être nous cacher quelque part. Qu'est-ce que tu en penses? Comme vous le voulez. Comme je le veux. Voilà le loup que je connais. Monseigneur. Oh, ce n'est rien. De vieux souvenirs. Mais il est temps d'y aller. L'héritier divin. Nous ne nous étions plus vus depuis la mort de votre oncle. Seigneur Genichiro? Je... Merci. Laissez-moi m'en occuper. Ainsi, le noble Shinobi veut nous arrêter. Je suis Genichiro. Ce sont là les limites d'un shinobi. L'héritier divin viendra donc avec moi. Tu es réveillé. Tu n'étais pas destiné à mourir, pas encore.
Quel est le nom que tu te donnes? Tes yeux, ce sont les yeux d'un loup qui a trahi son devoir, c'est mon impression. Cela ne vous regarde pas. Parlez comme un vrai shinobi. Je dois sculpter ce Bouddha. Fais ce que tu as à faire. Comment suis-je arrivé ici? Je n'ai fait que te traîner jusqu'ici. Je ne savais même pas si tu étais encore en vie. Je ne pouvais pas laisser les chiens sauvages te dévorer. Combien de temps ai-je dormi? Un certain temps est passé depuis que je t'ai trouvé. Je vois. Cependant, ton maître vit toujours. Il est détenu au château Ashina. Ils vont très bientôt utiliser son sang. À te regarder, je suis sûr que tu en apprécies la valeur. Mon bras gauche. Que m'avez-vous fait? C'est ce que j'appelle une prothèse shinobi. Un croc idéal pour un loup manchot. Mais ça ne sert à rien pour sculpter Bouddha. Je te le donne. Une prothèse shinobi? Ce n'est pas simplement pour remplacer ton bras perdu. Viens me voir si tu trouves des outils de shinobi. Des outils de shinobi? Ah, je vois. Cet appareil. Tu comprends vite. Si tu m'apportes des outils de shinobi, je trouverai le moyen de les intégrer à la prothèse shinobi. Tu pourras alors apprécier sa valeur. J'en ai trop dit. Va maintenant. Que vouliez-vous dire en affirmant qu'il allait utiliser son sang? Je ne sais pas grand-chose de lui, sauf l'héritage du dragon. Il existe un sang spécial qui porte ce nom, et ce sang coule dans les veines de ton maître. Alors l'héritier divin? Quelqu'un veut s'emparer de lui. Il est possible que les choses étranges que subit ton corps est un rapport avec ça. Tu es un curieux personnage, cela dit. D'autres visiteurs étranges sont venus dans ce temple. Il y en a un dans la clairière, à droite de la porte qui permet de quitter les dépendances du temple. Deux étrangers venus dans des circonstances étranges. Il se peut que vous vous entendiez bien. Tu vois le Bouddha miséricordieux, là? Ce n'est pas l'un des miens. Il a été modelé par le vrai sculpteur. Quand un homme affronte ce qui est en lui, il peut sans doute être utile. Affronte ce qui est en lui? La colère, la tristesse, ou peut-être de vieux souvenirs de temps depuis longtemps disparus. Ce genre de choses.
Tu es vraiment revenu d'entre les morts. Le pouvoir du sang du dragon. Je n'aurais jamais cru le voir de mes propres yeux. Qui êtes-vous ? Je suis Emma. Je suis un docteur, au service d'un certain maître. Quel maître ? Pardonne-moi, mais pour sa sécurité, je ne peux pas dévoiler son identité. Mais mon maître m'a donné des ordres précis. Je dois t'aider autant que je le peux. Je ne te dis pas de me faire confiance, mais je dois suivre les ordres de mon maître. La gourde d'eau médicinale que tu possèdes, c'est à l'origine une de mes créations. Je suis un docteur, et je pourrais t'aider dans ce domaine. C'est vous qui avez fait cette gourde ? Oui. Elle était destinée au seigneur Kuro, mais il semble te l'avoir confiée. Je suis sûre que tu l'as remarqué, mais cette gourde se remplit toute seule d'eau médicinale. Même après avoir été vidée, elle sera de nouveau pleine après un petit moment. Ouais. Peut-on l'améliorer ? Apporte-moi des graines de gourde. Des graines de gourde ? Oui. L'eau médicinale est produite par les graines de gourde. En mettant plus de graines, on augmente le volume d'eau médicinale. Si tu en trouves, apporte-les-moi. D'accord. J'aimerais te demander quelque chose. De quoi s'agit-il ? S'il te plaît, montre-moi ton visage. Quoi ? Cette marque blanche, c'est une marque de naissance ? Non. Alors c'est sans doute qu'elle apparaît sur ceux qui ont reçu l'héritage du dragon. Ou alors que c'est un signe. Vous avez fini ? Oui. Ce sera tout. Je suis désolée. C'était très impoli de ma part. Au revoir. Un visage inconnu. Quel est ton nom ? Tu ne veux pas me dire ton nom ? Tu sembles être un combattant aguerri, en tout cas. Soit un shinobi, soit... S'il te plaît, j'aimerais te demander de m'affronter au combat. Comme je le pensais, toujours en vie. Ta maîtrise de l'épée, c'était beau à voir. Rares sont ceux qui ont réussi à me tuer aussi efficacement. Mais qu'êtes-vous ? Je suis non-mort, d'après certains. D'autres disent que je suis infesté. Je ne peux pas mourir. Je suis, c'est tout. Et toi, qu'est-ce qui t'amène dans ce temple en ruine ? Tu sembles très préoccupé. Dis, pourquoi ne t'entraînerais-tu pas à l'épée sur moi ? Cela pourrait être utile pour ta mission. Un corps chaud qui ne peut mourir pourrait être utile. Je te propose le mien. Alors ? Très bien. D'accord. Allons-y. On dit que jouer de l'épée est un bon moyen de se distraire. Dans ce cas, je serai ton adversaire. Boom!
Affronte-moi une fois de plus. Dans ce cas, je serai ton adversaire. Affronte-moi une fois de plus. Excellent. Je n'en attendais pas moins de toi. Dans ce cas, je serai ton adversaire. Oui, bien joué. Question entraînement. Il est peut-être temps de se rapprocher des vraies conditions de combat, non? Attaque-moi comme si tu voulais me tuer. C'est la seule vraie manière de s'entraîner. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi faites-vous tant d'efforts? En partie, pour passer le temps. Et pour le reste, eh bien, j'aimerais que tu te dérides un peu. Mais bon, assez parlé, commençons. Commençons. Compris. Temple attire ceux qui n'ont nulle part où aller. J'en suis la preuve parfaite. Je suppose que c'est pour ça que des choses intéressantes arrivent parfois dans la boîte à offrandes. Reviens quand tu veux. Si tu as des techniques à essayer, je suis là.
Oh. J'en ai trouvé un. Un outil de Shinobi. Oui. Je t'ai dit l'autre fois que ta prothèse était un croc. Mais en adaptant des outils de Shinobi à ton bras, tu seras capable de changer la forme de ce croc. Des boucliers épais, faisant des échardes. Des ennemis rapides, abalés à distance. Adapter davantage d'outils, c'est plus de manière de tuer tes ennemis. Si tu dois tuer quelqu'un, il faut utiliser la méthode adéquate. C'est aussi simple que ça. Vous en savez long sur la prothèse. Je ferais mieux de me calmer. Plus je parle de bains de sang, plus mes sculptures deviennent démoniaques. Donne-moi ça. Je vais l'installer pour toi. Ce Bouddha miséricordieux que tu vois là ne fait rien d'idiot avec lui. Thank you.
Je suis contente que tu sois venu, Lou. C'est ça, des graines de gourde. Oui. Apporte-moi ça. Mets les graines dans la gourde. Parfait. Maintenant, tu auras plus d'eau médicinale dans la gourde. Quel étrange remède. Étrange ? Je ne me vexerai pas de ta remarque. Mais si ça fonctionne, c'est une bonne chose. Que ce soit étrange ou pas. C'est ce que mon mentor Dogen m'a appris. Je vois. Pense à m'apporter les autres graines de gourde que tu trouveras. Je pourrai encore augmenter le volume d'eau médicinale. Au revoir. Ah, c'est toi. Je suis à ton service si tu veux affiner tes talents à l'épée. Dans ce cas, je serai ton adversaire. Dans ce cas, je serai ton adversaire. N'en attendez pas moins de toi. Dans ce cas, je serai ton adversaire.
Moi une fois de plus. Affronte-moi une fois de plus. C'était un beau combat. Dans ce cas, je serai ton adversaire. Une fois de plus. C'était un beau combat. Une fois encore, c'était un beau combat. Mourir pour une bonne cause. C'était rafraîchissant. Mais un petit détail. Essaye d'y aller moins fort, tu veux? Ça fait quand même mal. Désolé. Je plaisantais. Vas-y à fond. Coupe, tranche tant que tu veux. D'accord. Quoi? Je suis juste content que mon immortalité soit utile à quelqu'un. Peut-être que tout cela a un sens après tout. Ce temple attire ceux qui n'ont nulle part où aller. J'en suis la preuve parfaite. Je suppose que c'est pour ça que des choses intéressantes arrivent parfois dans la boîte à offrandes. Ce temple attire ceux qui n'ont nulle part où aller. J'en suis la preuve.
toi, Inosuke? Mon fils, as-tu vu le jeune maître? Quoi? Tu ne dis rien? Tu as mal à l'estomac ou au ventre? Tu as toujours eu l'estomac fragile. Enfin, prends cette cloche. C'est un charme que j'ai fait en pensant au jeune maître. S'il te plaît, offre-la à Bouddha pour le protéger. Inosuke, mon fils, as-tu offert la cloche à Bouddha? As-tu essayé dans le temple en ruine? Là où il y a ce sculpteur borné, je suis sûr que tu y trouveras Bouddha. Qui va là? Il y a quelqu'un? Seigneur, peut-être que ce n'était pas lui. Qui va là? Oui. Cette voix... Non. Seigneur, je suis Inosuke Nogami, vassal de la famille Hirata. J'ai besoin d'un service. C'est ma mère, elle perd la tête. J'ai vu votre mère, elle m'a donné une cloche. Elle vous l'a donnée. Cette cloche la trouble. Depuis très, elle parlait de façon incohérente. Seigneur, je tenais à vous remercier. Cette cloche la trouble. Elle parlait de façon...
Ferme les yeux. Écoute parler la cloche. Le son de la cloche va remuer tes pensées et faire ressurgir les anciens souvenirs de leur torpeur. En quelle année sommes-nous ? Quelle année ? Réponds-moi. C'est l'année du pèlerinage de la... Le pèlerinage de la... C'était il y a 3 ans. Qu'est-ce que c'est ? Le sculpteur parlait d'un vieux souvenir. Je ne me souviens de rien de tout ça, mais ça semble appartenir au passé. Que s'est-il passé ? Des voleurs. Il faut faire vite.
connaissez quelque chose en écailles de carpe? Les écailles scintillantes de la carpe au trésor. Apportez-les-moi et je vous récompenserai bien. Merci pour votre gentillesse. Apportez-moi d'autres écailles. Yeah.
Loup loyal, prends mon sang et revis. Regardez-moi ça brûle. Yeah.
Satané bâtard. Vous êtes... le shinobi, n'est-ce pas? Prenez la hache des shinobis dans le temple et fracassez-leur le crâne, s'il vous plaît. Ouvrez ou gare à vous! Je peux vous entendre à l'intérieur. Je sais qu'il y a quelqu'un. Si vous vous rendez pas maintenant, vous allez le regretter! Eh, vous m'entendez? Eh! Mon bon seigneur, vous... Eh bien, quoi qu'il en soit, gardez les yeux bien ouverts. Ah, alors que je venais ici, j'ai vu une jolie pagode. Je parie qu'on pourrait y trouver... Enfin, c'est...
Essayez de ne pas bouger. Cela aggravera vos blessures. Non. Je dois y aller. Il y a un chasseur de shinobi parmi les bandits. Il est très doué. Si je ne l'affronte pas... Je l'interdis. Vous n'êtes pas en condition. Essayez... Non. Il est très doué. Je l'interdis. Qui êtes-vous ? Je ne suis pas un voleur. Vous êtes avec le jeune seigneur Shinobi. Ils ont déjà escaladé la colline. Je crains que le jeune seigneur... Je vous en supplie, Shinobi. J'ai quelque chose... J'espère que cela vous sera utile. C'est promis. Servez-vous. Attends, dites-moi que c'est... Ils ont attaqué pile au bon moment. Oui, mourez. On brûle ce temple ensuite, Chet. Non, on le laisse. Mais s'il y a des offrandes, on... Ah, ça suffit. On ne vole rien à Bouddha. Vous fâchez pas, c'est pas ma... Thank you.
Taza ! Thank you.